Mais ce début d'été 2003 va tout changer. Point après Al, Federer va s'imposer à Wimbledon. Le début d'une razzia inédite dans l'histoire du tennis, puisqu'il totalise aujourd'hui 20 majeurs à son palmarès. Mais c'est aussi le point de départ d'une incroyable success story sur gazon. 15 ans plus tard, le CV herbivore du maestro de Bâle est lui aussi sans égal. Un titre à Stuttgart, 9 à Halle, et, surtout, 8 à Wimbledon, un record dans le temple du tennis.